Viande, tambour, machine, une journée, un problème, un personnage et ses rencontres. Le jeu est improvisé, la vidéo est improvisée, le son est improvisé, tout est improvisé. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais. Bon, tu vas voir, elle est sympa la bosse. Et puis ici, on devrait pas avoir trop de mal, à mon avis, c'est un quartier où ça achète. Et toujours, tu gardes le sourire. Ouais. Et même si la personne, elle te dit, j'ai pas le temps. Mais moi non plus, madame, j'ai pas le temps, pas du tout. Mais vous savez, c'est quoi le temps, en fait? Prendre 5 minutes Vas-y, smile, sourire. C'est un super job. Non, franchement, c'est un super job. Okay. Très important, c'est de l'humain. On est dans un quartier de bobos, donc il y a moyen de se faire un chiffre intéressant aujourd'hui. En plus, Catherine, ne te cache pas, c'est vraiment aujourd'hui que tu vas devoir faire tes preuves. Tu leur vends le produit avec joie et avec détermination. Bon, ça se voit que t'es fatigué, mais tu dépasses ça. Non, laisse-moi parler. Faut vendre. Il faut vendre. Il faut vendre. Il faut vendre. Il faut vendre. Vendre. Il faut vendre. Il faut vendre. 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 Il faut vendre. Sinon, toi, t'es fini. Sinon, toi, tu es fini. 20 boîtes aujourd'hui, sinon c'est terminé. Ok Catherine, on se lève, on lève son cul, on y va, on va vendre, allez, go, 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 allez, 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 ma grande, on y va, go, 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 team working, allez, go! Bonjour wow. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Catherine, je vends un produit du... Non. Bonjour. Oui. Bonjour madame, Catherine, je suis représentante en produits cosmétiques. Oui, vous venez de la part de qui? Et comment vous avez mon adresse là? Je fais toutes les portes. D'accord. Vous avez pu passer en bas, que vous aviez le code? C'était ouvert, alors je suis rentrée. Bon, d'accord. C'est un produit, c'est pour extraire les points noirs. Écoutez, à mon âge, je ne vais plus m'extraire les points noirs. Hein. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Allez, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Annabelle, c'est Catherine. Je suis juste en bas de chez toi. Je peux monter boire un café, s'il te plaît? Pardon, j'avais soif. J'arrête pas d'arpenter les rues. Là, je suis dans la merde. Parce qu'en fait, il faut que je vende absolument aujourd'hui. Le problème, c'est que je pense que j'ai plus trop l'énergie pour le faire. Oui, mais Catherine, ça fait combien de temps que c'est la galère pour toi et que je te donne des coups de main? Mais Annabelle, je te demande pas tellement. Bah si. T'as vu comment tu vis? T'as vu là où tu vis? T'as vu... T'es propriétaire? Moi, j'ai le couteau sous la gorge, Annabelle, avec deux enfants. Je te demande quoi? Il faut que je le garde, ce boulot. Je peux pas le perdre, d'accord? Ouais. C'est un d'accord. Bien que je vends, qui marche, qui fonctionne, d'accord? Regarde, non. Ça coûte 45 euros. Je veux dire, si là, j'en vends pas aujourd'hui, et c'est fini. Elle me vire, ma patronne, d'accord? Si tu m'en achètes, mais. Je sais pas, 10 pour toi, c'est quoi? C'est quoi, 10? C'est 450 euros. Regarde, bouge pas. Je peux essayer? Je peux te le faire? C'est de l'eau, regarde, bouge pas. Tu vois? Ça marche pas super votre truc. Hein. Attends Annabelle. Ça marche pas Annabelle, attends. Bouge pas Annabelle, ça va faire du tout. Non, c'est de l'eau Annabelle. Oui. Et puis tu passes comme ça, et puis ça t'enlève tous les points noirs. Bouge pas, regarde. Mais comment ça. Là, tu prêtes. Regarde, tu vois. J'ai eu le point noir, regarde. Oui, non, mais bien sûr, oui, c'est ça. Mais si, je t'assure. Non, mais arrête. Moi, j'en ai rien à foutre de ces trucs. Bah oui, bah, je te dis, j'en ai rien à foutre, je fais ça pour bouffer, putain. Et je peux pas bouffer. Et tu vas pas m'aider? T'es à tente de mes enfants. Tu le comprends ça? Je t'ai déjà beaucoup aidé. Écoute, pour l'instant, il faut que ça s'arrête. Très bien. Et ben quand je serai sur le trottoir, tu penseras à ce que tu m'as dit. Mais arrête. Tu penseras à ça, qu'il faut que ça s'arrête. Tu penseras bien à cette phrase, d'accord? Tu vas quand trouver d'autres trucs. Je crois pas que t'es capable de trouver un boulot mieux que ça, en plus. C'est tout ce que t'as à dire? Oui, c'est tout ce que j'ai très à bien, dire pour aujourd'hui. Très bien. Moi, je veux qu'un peu de temps passe et puis on se reverra et puis tu merci vas t'en sortir. Merci, c'est pas t'aider que toujours être là pour bien sûr, bien sûr. C'est pas m'aider de t'en aider. Bien sûr, Annabelle, je vais m'en sortir. T'inquiète, je vais m'en sortir. Allez, bonne vie, bonne longue vie à vous. Régalez-vous bien dans votre appart. Ouais. Bonjour, Catherine. Excusez-moi de vous déranger, vous avez 5 minutes. Je vends un produit absolument miraculeux qu'à mon avis, vous allez adorer. Ah oui, je connais ça. Vous connaissez? Oui. Ah, c'est vrai? Je voulais l'utiliser. Enfin, moi, j'en ai un que j'utilise. Ah, vous en avez déjà un? Ouais, mais... Et ça fonctionne bien? Si oui, ça fonctionne bien, mais l'orgasme n'est pas forcément à temps, quoi. Ah, ouais. Mais... Donc, celui-là, je crois que ouais, ça marche très bien, surtout sur le clito, quoi. Je crois que tu as ce petit truc d'aspiration. Voilà, là. C'est de l'aspiration clitoridienne. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main, ça tient dans une chaussette. C'est produit en France, par une petite entreprise française. Si oui, vous allez... Ça. Bon, c'est quand même toujours bien. Vous voulez que je vous montre comment il aspire bien? Regardez, je vais vous montrer comment il aspire bien. Là, vraiment, ça aspire bien, regardez. Oui?
Ça marche bien. Ça aspire, ça aspire bien. Ah, ça aspire énormément, vous allez voir. Vous allez vous régaler. Ça a marqué mon... Oui, c'est multifonction, parce que c'est et pour le clitoris, et aussi ça peut enlever les points noirs. Enfin, vous avez vraiment un multi-usage. Bah, je vais peut-être en prendre deux, alors. Ah bah ouais, ce serait super, parce que si une batterie est déchargée, comme ça vous utilisez l'autre, vraiment, vous n'allez pas regretter. Vraiment, je vous assure. Vous verrez, vous n'allez pas regretter. Et puis, vous savez, c'est important de se faire plaisir, mon avis. On n'a qu'une vie. Je vais chercher mon chéquier. Super. Je reviens. Super, merci, je vous attends. Bonjour. Bonjour. Catherine. Bonjour. Bonjour, Alex. Bonjour. Je vends un extracteur de points noirs. Et rentrez comme ça, vous m'expliquez à l'intérieur, non ? Oh, super, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire ? Oh, je veux bien un verre d'eau, s'il vous plaît. Hein. C'est hyper agréable de tomber sur quelqu'un d'aimable, vraiment. Non, il n'y a aucun problème. Oh. Vous allez avoir soif. Elle est fraîche. Elle est fraîche, hein ? Super. Ah, hein. Oh, super. Merci beaucoup. Ah, oh. Alors un extract... Attends, allez, un quoi ? Un aspicline. C'est pour la peau. Ok. Nettoyage de peau. Ouais. Donc extraction de points noirs. Effectivement, j'ai des points noirs, ouais. C'est un peu l'enfer, ouais. Et je vais chez l'esthéticienne. Bah, et l'esthéticienne, ça coûte une blinde. Est-ce que je peux regarder ? Oh, mais allez-y. Vraiment, allez-y, parce que... Puis en plus, je trouve que le design, il j'adore. Est hyper sympa. J'adore, quoi. C'est glossy. C'est léger. C'est léger. C'est très joli, c'est très beau, mais en même temps, ça a l'air un peu fragile. Est-ce que vous vendez des pochettes ? Ah non, non, c'est pas fragile du tout. Ça tient dans une chaussette. Je trouve que c'est génial. Absolument révolutionnaire. C'est complètement... Mais absolument révolutionnaire. C'est je le vends. Non, je le vends aux femmes comme aux hommes. Oui, non. Comme aux ados. Mais vous avez complètement... Mais les ados, mais exactement. Non, mais exactement, les parents. Puis alors, ils se plaignent tout le temps mais de leur peau et tout. Et moi, j'ai un neveu, c'est un enfer. Mais, ouais, voilà, mais je vais lui offrir à mon neveu. Mais ah bah alors là, alors... Mais vous en avez plusieurs ? Oui, comment ça marche, mais bien sûr, en fait j'en ai plusieurs. Et puis si vous en achetez plusieurs, je vous fais des prix, monsieur. C'est vrai ? Évidemment. Attendez, évidemment. Non, c'est vrai ? Ah bah, je vous assure, d'accord. Évidemment, si vous en prenez plusieurs. En fait, ça, est-ce que vous voulez un café ? Oh, avec plaisir. Oui, un petit café. Vous êtes mon petit rayon de soleil de la journée. Donc, on a dit 4. C'est 45 euros. Voilà, donc ça fait 180 euros, les 4. Voilà, c'est ça. Et ben donc, écoutez, moi je vous l'ai fait à 150 euros les 4. Ouais, ok, super le prix. Du coup, si je vous l'ai fait à 150 euros, comme il y en a 4, ça fait 150 euros divisé par 4, ça fait que. Il est à moins de 40 euros quand même. Donc je ouais, fais... ça fait cher quand même. Pas tant que ça, monsieur, parce que du coup, lui qui soit à 50, il a désolé, un peu moins ça, de 40. Ça rentre super mal, là, j'arrive pas à rentrer, attendez, ça commence à me gonfler, non. En fait. Je vais vous montrer, c'est juste qu'il faut rentrer les encoches, c'est juste ça. Ah, d'accord. Okay. Il faut juste rentrer les encoches, juste... mais après, en plus, dites-vous que vous utilisez jamais la boîte, puisque vous mettez dans la chaussette. Je suis obligé d'utiliser une de mes chaussettes, du coup, puis comme c'est une paire, je perds ma chaussette, en fait, concrètement. Je trouve ça hyper intéressant, votre concept est super, mais en fait, vous savez, je vais vous en prendre qu'un, en fait. Votre présentation à la fin, elle est bizarre, là. Attendez, je vais vous en prendre qu'un. Je vais vous en prendre qu'un, je vais vous en prendre bleu, ok ? Je vais vous le prendre juste si vous nettoyez mes chiottes. Pardon ? Monsieur, ça va pas ? Comment ça va pas ? Je vais très bien, moi. En fait, vous faites une présentation qui est médiocre vers la fin. Je suis désolé, hein. Je suis désolé de vous le dire, c'est médiocre vers la fin. Moi, je pensais que ça allait être super jusqu'au bout. Donc, je vous offre les biscuits, le café et tout. Et hop, vous avez le café, tac, vous avez tout ce que vous voulez, c'est bon. Et puis d'un coup, la boîte est fermée à moitié. Mais pas du tout, mais monsieur, je suis pas une femme de ménage. Vous êtes gonflé, vous. Et c'est qui a sonné chez moi monsieur... Ding dong, genre. Et après, je voudrais des choses. Et vous êtes fort sympathique. Bah, forcément, je suis fort sympathique. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que j'espère quelque chose de votre part, en fait. Et vous me l'offrez pas. Donc, vous nettoyez mes chiottes. Mais c'est mon travail, en fait, de vendre ces. Très bien. Et moi, c'est mon travail de servir du café. Non, mais écoutez, super. Merci pour le café. Au revoir, monsieur. Ok, je vais nettoyer vos chiottes. Elles sont là. Ok. Une petite éponge aussi. Madame, bonjour. Je vends un produit qui va révolutionner votre vie.
à toute votre famille. Absolument. J'imagine, jeune homme, que tu arrives dans une période où tu vas faire un peu attention à ta peau, que c'est compliqué avec la puberté, tout ça. Et ça, toute la famille peut l'utiliser. C'est un extracteur de points noirs. Je vais vous montrer, c'est absolument extraordinaire. Non, mais c'est magique, c'est magique. Regarde, regarde. Regarde, bouge pas, garçon. Regarde, bouge pas, garçon. Regarde. C'est bon, j'ai compris. Maman. Tu vois. Hop là. Ah, j'en ai un. J'en ai un. Non, non, ça fait pas mal du tout, madame. Allez. Je pense que vous avez pas tout à fait compris ce que je voulais vous vendre. Bonjour Monsieur Douglas. Bonjour Madame. Catherine, enchantée. Bonjour. Je vends un produit absolument du futur, innovant, formidable. Ça s'appelle Aspukin et c'est un extracteur de points noirs. Je vais tout de suite, j'ai pas vraiment le temps et puis mais ça prend 5 minutes. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Catherine. Bonjour. Monsieur Catherine ? Pardon, je disais bonjour, monsieur. Ah, pardon. Ah, oui. Catherine. Ah, oui, bonjour, Catherine. Je suis représentante et je vends un Aspukin. Bah, vous voulez pas rentrer ? Ah, bah, avec plaisir. Si, allez. Tenez, goûtez déjà ça. C'est un petit gamet qui a l'air de rien. Merci. Bah, Catherine. Santé, monsieur. Ravi. Monsieur comment ? Ravier ? Non, je disais Catherine, ravi. J'ai cru que j'étais votre nom de famille. Ah non. Remarquez, monsieur Ravi, c'est joli. Vous allez voir que là, sur les ailes du nez, vous avez des points noirs. Ah bon ? Oui. Bah ça, quand j'étais adolescent, j'arrêtais pas de me les trifouiller. Oui, bah voilà. Et bah, justement. Ça fait très longtemps que je ne me les trifouille plus. Non, alors, mais c'est très bien, attention. Ne les trifouillez pas, parce qu'en fait, non. C'est très mauvais de les trifouiller. Ah oui. Je vends un produit absolument extraordinaire, donc, qui s'appelle Aspukin. Hein ? Donc, Aspukin. Comme un cachet ? Comme des cachets d'Aspukin ? Vous avez de l'humour. Ça se pose à côté de la brosse à dents électrique. Parce que j'allais me faire des raviolis. Ça souffle comme ça, très vite. Vous serez bien plus efficace cet après-midi. Il est bon, votre vin. Il est bon, hein. Je vous en resserre un. Je veux pas abuser. Ah, bah non. Et alors, vous faites ça depuis toujours ? Alors non, pas depuis toujours. Mais, vous avez été dans le social ? Un peu, pourquoi vous dites ça ? Parce que vous avez le don, comme ça, je trouve, du contact. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. Enfin, moi, ça me fait du bien. Ah, c'est gentil. Allez, vous m'avez à vos ventes, hein. Merci. Merci. Mais alors, faut que j'ouvre, parce que... Mais vous savez, vous cassez pas la tête, hein. Ah bah non, bah dites donc, je vous ai promis des raviolis, je vous offre des raviolis. Hein. Vous le faites pas réchauffer ? Ah bah ça sera... Bon, avec la chaleur qu'il fait, vous allez voir. Merci. C'est gentil, vraiment. Bon bah, Catherine, bon appétit. Hein. Merci. Merci, c'est vraiment gentil de m'accueillir. J'adore ça. C'est bon. C'est bon, hein. Je sais pas comment ils font ça. Je vais pas pouvoir. Vous êtes vraiment charmant, mais. Je vous en prie. Je vais pas pouvoir rester très longtemps parce que, en fait, il faut quand même que je finisse ma journée. Et... Ah bah oui. Et j'ai une chef et que si j'en vends pas beaucoup. Peut-être que je peux vous en prendre 3. Vous voulez m'en prendre 3 ? Comme ça, vous auriez fini votre journée. Oh, vous êtes formidable. Si vous faisiez ça, vraiment, je vous ferais un prix, hein. Ah oui ? Et vous avez différentes tailles pour différents alors, points noirs. C'est plus des points noirs, ça s'appelle des... Bah ça c'est un peu les comédons, on pourrait c'est dire. C'est des topinières, non ? Oui, si vous voulez. C'est un peu des... Ah oui, il y a des gens qui ont des trucs comme ça ? Ah bah il y en a, oui. Ah bon ? Oui, absolument. Absolument. Et peut-être quand on est enrhumé, ça peut... Bah... On peut se mettre comme ça, non ? Oui, si vous voulez, oui. On pourrait faire ça. Ou comme ça, si vous voulez. Ça peut servir d'aspirateur de table aussi, non ? Oui, je pense que ça marche moins bien, mais vous pouvez peut-être essayer. Peut-être aspisauce. Non, je ne peux pas le faire. Enlevez vos lunettes, vous allez voir, oui. Ça va vous faire du bien, c'est de l'eau. Je vous vois flou, là. Oui, non, mais fermez les yeux, oui. Fermez les yeux, c'est de l'eau, vous inquiétez pas, hein. Voilà, regardez. C'est pas une blague, regardez. C'est... Mais ça fait tellement de bien. Ça fait du bien, hein. Je vais vous le faire, non ? Oh, bah, si vous voulez, faites un peu. Ça fait un bien fou. Faites un peu. Oh, bah, c'est vrai que ça fait du bien. Hein ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oh, j'adore ça. Vous faites ça, vous attendez un petit moment. Oui. Le port se dilate. Ah, oh, bah dites donc. Donc c'est formidable, oui. Le port se dilate. Oui, le port se dilate. Donc là, on va... On va dire ça chez un charcutier, par exemple. Non. Bougez pas, je vous enlève le point noir. Hop là. Oula, c'est pas agréable. Oh, c'est révolutionnaire, hein. Et alors après, vous allez pas... Non, vous allez prendre un coup de jeûne. Ah, ça va vous rajeunir. Vous me trouvez un... Pas du tout, monsieur. Vous me donnez quel âge ? Oh, je voudrais pas... Comme ça, vous me donnez quel âge ? Je sais pas... 50. Ouais. Bah voilà, bah, vous allez voir, ça... Enfin plus, hein, quand même. Ah, bah vous les faites pas, vous les faites parce pas. Que 50 et quelques, hein. Ah ouais, bah vous les faites pas du tout, vous les faites pas du tout, monsieur. Mais alors, sachez qu'avec ça... Sachez qu'avec... Non, 62. Ah, 62, non, vous les faites vraiment pas. Et alors, ça va vous donner... 62, ce qui fait que j'ai vu, parce que ça, à mon avis, vous l'avez pas vu, j'ai vu
L'alunissage sur la Lune. Ah oui. Ouais. 60, juillet 69. Super. Ouais, j'avais 7 ans. Ah ouais, super. C'est qu'avec ça, le truc de ces raviolis, c'est que ça donne très soif. Ouais, et on... Alors, Catherine. Oui. Vous avez envie que je vous prenne un aspicline? Oh, j'aimerais bien parce que ça va vous réactiver les cellules et du coup, alors, ça va vous donner 45 un... 45 euros. 45 euros, faut que je vérifie. Faut que je regarde sur mon compte. Ah. Faut que je vois où j'en suis parce qu'on est le combien du mois, là. On va voir le salaire. On va voir. Ben oui, mais j'y suis pas encore. Ah. Je vais appeler Filinfo, tiens, 0478. C'est le lien avec votre banque? J'adore. C'est dingue, avant ces trucs-là, ça n'existait pas du tout. Non. Et maintenant, votre code personnel. Ah, et là, je le connais pas. Je le connais pas. Tu en fais toujours la blague. Ah oui. Non. Je n'ai pas compris votre code. Alors là, on est dans une impasse, par exemple. Oui. Alors qu'avec vous, par exemple, là, on se cause. Et c'est ça que j'adore. Bien sûr, c'est ça que j'adore. Dans les... Moi aussi, mais c'est pour ça que j'aime ce métier, j'aime le contact humain. Elle me dit au revoir et à bientôt, mais moi, j'aime. Ouais. Voilà. Et vous savez pas. Non. Ouais. Mmh. Si on disait, si je vous laisse 20, là. Qu'à la rigueur, je pourrais vous donner de 20, par exemple. Vous avez moyen de repasser? Oui, je peux repasser. C'est oui. vrai? Oui, je peux repasser, oui. Par exemple, le 2, mardi 2. Alors, je vous cache pas, monsieur, je suis un petit peu... Je suis un peu embêté, en fait, j'ai deux enfants. Et en fait, si j'en ai pas vendu plusieurs aujourd'hui, je pense que je vais perdre mon travail ce soir. Ah là, vous en avez vendu un, je vous en prends. Mais oui. Ça, c'est que je peux pas vous le payer en entier. Oui, c'est ça, mon problème. Ah bon? Et je pense que ça, ma patronne, ça va pas passer. Ah bon? Il faut changer de boulot, Catherine. Oui, mais je vous cache pas, Rémi, c'est compliqué de trouver du travail à l'heure actuelle. Vous pouvez me faire un chèque, j'attends le 2 juillet pour le tirer. Ah oui? Je vous l'assure, je le marque, je l'endosse derrière le chèque, je mets le 2 juillet, mais au moins comme ça, je rentre et j'en ai vendu un. Je vous en prendrai. Oh, mais vous êtes formidable. Vraiment, vraiment, si les gens étaient comme vous, le monde tournerait. Et la flûte. Quoi? Veuillez... Veuillez nous renvoyer ce bon pour un nouveau carnet de chèques. Ah oui. Moi, ce qui pourrait être marrant, c'est que je vous accompagne un peu, là, dans votre tournée. Bah écoutez, si vous voulez... Je pourrais essayer de le vendre, votre truc. On pourrait essayer. On pourrait rentrer à deux. On pourrait essayer. Vous savez, les gens sont pas toujours sympas. Hein. On pourrait dire, moi, je suis extracteur de points noirs. C'est vrai. Rémi, extracteur de points noirs, enchanté. C'est vrai, mais vous savez, ils sont pas toujours aussi sympas que vous. Hein. C'est vrai. Non, c'est pas facile. Non, c'est vrai. Non, c'est pas facile du tout. Je vais y aller, Rémi, je suis désolée, c'était très très sympa. Ah bon? Vraiment, ces raviolis, ce petit verre de rouge, c'était vraiment très sympa. Mais vous avez rien mangé, Catherine? Il faut que je reparte faire ma tournée. Ah bon? Merci, Catherine. Merci. C'était très agréable. Ouais, merci beaucoup, vous aussi. Vous êtes très sympathique. Vraiment. Vous avez le droit de faire? Bah, bien sûr que j'ai le droit. Je m'en fous. Mais c'est dommage parce que j'ai le point noir. Bonjour, monsieur. Catherine? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vends un produit absolument révolutionnaire. Ça m'intéresse pas d'autre. Catherine. C'est de l'eau, hein. C'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. Regarde. Voilà, bougez pas. Et détendez-vous, madame. Bougez pas. Oui. Bougez pas. Alors après, c'est un tout petit peu rouge, vous vous affolez pas. Mais oui, alors là, j'en attrape un paquet, madame. Oui, j'en attrape un paquet. Vos copines vont vous envier. C'est tout petit, ça tient pas de place. Vous mettez ça à côté de la brosse à dents électrique. Ça va vous faire une peau magnifique. C'est important d'avoir une belle peau quand on est jeune. Bonjour. Bonjour. Il y a personne avec vous, monsieur? Vous comprenez ce que je dis? Je vends quelque chose pour le visage, pour enlever les points noirs sur le visage. Voilà. Hop là. Hop, on enlève. Et on... Vous aimez bien? Le chéquier? Je vous ai fait un petit prix, monsieur. 65 euros. Là. Là, monsieur, là. Super. Super. Super, merci monsieur. Au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur, bon courage.